Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 5. Alors tout d'abord, dans ce tuto, je vais tout simplement vous donner toutes des petites astuces pour réussir le plus facilement et le plus rapidement les défis de la semaine 3. Donc c'est parti les potos. Donc le premier astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement pour fouiller les coffres de Fatal Field. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre en 50 contre 50. Et moi carrément, j'ai mis un autre région matchmaking, j'ai mis carrément l'Amérique du Nord. Alors j'ai enregistré les paramètres bien sûr, et j'ai lancé la partie. Donc il faut savoir que j'ai dû faire ça plusieurs fois, j'ai changé à chaque fois de région de matchmaking, j'arrive à avoir maximum un coffre. Et puis, quand j'ai été dans l'Amérique du Nord, j'ai réussi à en avoir deux par deux. Donc, j'ai fait deux games et j'ai réussi à avoir deux coffres à chaque fois. Alors, regardez, là, j'ai eu aussi la chance que le bus d'où je viens est le plus près de Fatal Field que le bus adverse. Et en plus de ça, c'est dans le camp adverse. Donc, logiquement, j'arriverai en premier. Il y a d'autres personnes qui me suivent, vous pouvez le voir en haut à droite. Le seul problème, c'est que quand vous changez de région matchmaking, vous avez des petits lags. Comme vous pouvez le voir, regardez hein, en haut à droite, les pions, les petits points, ils sont en train de se téléporter. Mais bon, c'est pas un problème. Ce que j'ai fait, c'est que directement, j'ai fait comme dans la vidéo tuto que j'ai présenté sur ma chaîne de tous les emplacements des coffres. J'ai été vers l'emplacement où il y a le plus de coffres, donc dans la longue range, parce que il y a trois coffres bien rapprochés. Donc il y en a un que je vais ouvrir, il y en a un autre que je vais ouvrir encore, mais il y a le troisième, je vais pas l'ouvrir, il est juste en dessous du pont, donc dans la petite rivière. Donc là directement j'ouvre un coffre, regardez, je vais appuyer. Donc là ça allait encore, il y a moins de bugs que quand vous allez en Asie. En Asie vous appuyez sur carré, il faut moins de demi-seconde avant que ça appuie sur carré. Donc là j'ai ouvert les deux coffres. Et voilà, donc après il y a une petite astuce pour les trucs explosifs. Donc moi les trucs explosifs je les ai déjà fait. Mais donc là je voulais juste qu'on me tue en fait. Donc je cherchais un ennemi, ou alors j'allais créer une rampe, mais j'ai entendu tirer. Donc à la place de créer une rampe, j'ai été vers l'ennemi et je vais essayer de me faire tuer. Et là regardez, c'est cet emplacement de coffre que je vous disais, en dessous du pont, donc dans le petit trou. Et là je voyais un ennemi, donc je vais lui tirer dessus pour l'attirer. Mais il se retourne pas. Donc je vois qu'il y a tout le monde réuni là. Et je me dis, ah putain, je pourrais faire des kills de ouf. Alors je sors le lance-grenade. Mais voilà, j'étais déjà trop près. Ils m'ont déjà pris en chasse. Mais j'aurais été plus loin. J'aurais pu faire mes 3 kills à l'explosif super facilement. Franchement, c'est assez rapide. Donc si vous voulez les faire super rapidement, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en 50 contre 50. Vous allez à Fatal Field, vous cherchez après un lance-grenade ou quoi, et vous les défoncez. Donc regardez, c'est dans cette partie là que j'ai fini mes 2 kills, parce que j'avais déjà fait un kill auparavant à la grenade. En fait c'est tout simple, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire à l'explosif. Donc là je le lance des grenades pour le mettre en stress. J'ai un bazooka, je me suis dit je vais jouer cancer direct. Alors là regardez, boum, le premier kill. Après vous n'êtes pas obligé de le finir. Si vous l'avez mis en PLS avec une arme explosive, quelqu'un pourra le finir, ça fonctionnera quand même. Regardez, élimination à l'arme explosive. Mais si maintenant vous n'avez pas d'arme de bazooka, bah, et que c'est un peu compliqué, bah, vous le mettez en PLS avec une arme, avec une AR, vous gardez des grenades et vous lui tuez, vous le finissez à la grenade. Donc là, regardez, je vais tuer mon dernier kill, boum! Et voilà, après bah, je le finis et puis après je me fais tuer par un autre ennemi un peu plus loin. Mais bon, je m'en foutais, j'ai eu mes 3 éliminations à l'arme explosive. Donc l'astuce, c'est de le faire en 50 contre 50. Et si jamais vous voulez le faire en squad ou en duo ou en solo, solo c'est moins bien. Franchement, faites-le en duo ou en squad. Vous mettez un type en PLS avec votre AR et vous le finissez avec une arme explosive, donc des grenades, lance-grenades ou le bazooka. Donc voilà, ça c'était pour l'astuce pour faire les 3 kills à l'élimination explosive. Alors maintenant, il va falloir faire 5 kills à Untold Hills. Alors ce que je vous conseille, c'est d'y aller directement parce qu'il y a énormément de monde qui y va. Alors moi, ce que j'ai fait, ben, vous voyez bien, là c'est le gameplay, je vous le laisse en fond. Je vais prendre un coffre et puis après,
j'ai lancé en solo vs duo. Faites pas en solo squad, c'est beaucoup trop difficile. En solo vs duo, c'est beaucoup plus simple. Moi, ça a été plus facile. En solo contre solo, je crois que c'est pas super bien parce qu'à chaque fois, vous avez un ennemi, ils vont camper et tout. Faites-le vraiment en duo, ce sera le meilleur parce qu'ils vont rush pour essayer d'avoir leur kill. Et comme vous, vous êtes solo, ben, vous allez toujours en avoir deux par deux. Donc regardez, moi, je vais déjà en tuer quelques-uns. Donc je vous laisse le gameplay, comme ça, vous voyez un peu comment j'ai bien géré. Hein. J'ai fait mes 5 kills dans cette partie en une seule partie. Et puis après, bah, je me suis fait tuer tout bêtement, mais voilà, j'ai réussi mon défi en une seule partie. Donc ça, c'est ce que je cherchais. Alors, un autre défi, c'est d'utiliser un tremplin. Bah, là, il faut juste tomber sur un tremplin et avoir la chance de tomber sur un tremplin. Donc je vous conseille aussi de le faire en 50 contre 50. Comme ça, vous avez plus de chances de tomber sur des tremplins. Alors, il va falloir blesser des adversaires. Ah, non. Va falloir blesser des adversaires, oui, voilà. Faire 500 ou 1000 points de dégâts. Bah, ça se fait en jouant, hein. Vous jouez et puis vous faites des dégâts. Alors, quand vous voyez un type en PLS, si vous le faites entre 50 contre 50, vous le finissez. Comme ça, vous avez des dégâts supplémentaires. Et ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide si vous voulez avoir tout simplement l'étoile secrète du roi plus rapidement possible. Alors ensuite, il y a... Suivre la carte, trouver la Flush Factory, donc l'étoile secrète de la semaine 3, je l'ai présentée sur ma chaîne YouTube. Tirer sur des pigeons d'argile à différents endroits, donc 5 pigeons d'argile, ça je l'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube. Et voilà, fouiller les coffres à Fatal Field, bon j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà, je vous ai présenté tous les défis, je vous ai expliqué mes astuces. J'ai réussi à faire tous les défis en 3h30, en même temps que en faisant les montages vidéo, les miniatures. J'ai réussi à faire tout ça en 3h30, donc je suis assez content de moi. Et j'espère que tous mes tutos vous serviront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Sois Cool au Mike et ciao. Peace.